Il va falloir reprendre votre parapluie, vous en aurez besoin avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation. On la voit d'ailleurs ici sur cette animation satellite, elle recouvre une partie de l'Angleterre et elle sera chez nous dans les prochaines heures. Alors même si on ne voit rien actuellement au niveau du radar des pluies, on aura bien quelques averses pour cette nuit. Quelques passages nuageux seront donc sur la métropole lilloise au-dessus de nos têtes, chargés d'humidité. On aura 6 degrés. Attention, rafale de vent, nous indique Météo Service. Pour demain matin, on aura donc l'arrivée de cette perturbation au programme de la grisaille, de la pluie, 9 degrés le matin, 12 degrés l'après-midi, toujours avec un petit peu de vent. Ça va se calmer pour vendredi, retour au calme, un temps sec. Les températures évolueront de 7 degrés le matin à 9 degrés dans l'après-midi, puis on aura de belles éclaircies. Samedi, en revanche, on attend l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Les températures, elles, resteront à peu près stables, malgré une baisse, légère baisse du mercure au petit matin. On aura 4 degrés, 10 degrés pour l'après-midi. Et puis dimanche, on aura les résidus de cette perturbation, toujours avec quelques averses au programme, 6 degrés le matin, 10 degrés pour l'après-midi. Demain, n'oubliez pas les fleurons, c'est leur fête en ce jeudi 1er décembre.